Le bac, c'est demain. Plus qu'un slogan, c'est désormais une réalité pour les élèves en classe de terminale, notamment ceux déclarés inaptes aux épreuves physiques et sportives. Ils sont donc attendus ce samedi 11 juin dans les différents centres d'examen. Bien, pour le moment, le secrétariat est en train de s'installer. Nous sommes en train de préparer les salles pour les candidats qui passeront les tests écrits demain matin. Préparer les salles déjà, afficher la liste des candidats et préparer les copies qu'ils utiliseront pour leur épreuve. Ici, au centre du lycée national Léon-Ba, tout semble fin prêt. Pour tout le centre, nous attendons 700 candidats. Et pour l'EPS demain, nous avons 26 candidats officiellement inaptes et quelques 20 qui ont eu à changer leur état en cours de chemin. Après les épreuves écrites de l'éducation physique et sportive, les candidats au baccalauréat vont entamer le reste des épreuves conformément au calendrier prévu à cet effet. Ceux de la série B sont attendus lundi prochain pour les épreuves écrites de sciences économiques.